le père Vision d'État, la mère Santa Bamba. Dans la famille des craques d'Auteuil, je demande la fille de bon cœur. Aujourd'hui, poulinière au haras de Saint-Voir, la championne vous présente son premier produit, une pouliche par Docteur Dino. Prends-en de la graine, mon vieux, hein. Va falloir remonter la pente. C'est le top du top du top, c'est la perfection même, faite jument, elle est parfaite, elle est très bonne déjà, c'est une grande championne, mais championne dans sa tête aussi, elle est adorable, elle est facile comme mère, très maternelle, facile à fouiller, facile à gérer, c'est un rêve de tous les jours quoi. Ce rêve ne vient pas de nulle part, car avant d'être une craque, De Bon Cœur était la fille d'une autre championne d'Auteuil, Santa Bamba. Cette dernière, Nicolas de la Genette et Jacques Détré l'avaient achetée folle. Santa Bamba, c'était le fruit d'une amitié avec Jacques Détré. On avait eu Saint-Dessin ensemble et on s'est dit qu'on allait acheter les premiers produits de Saint-Dessin. Donc on était en Normandie, chez M. Lair, qui voulait vendre Santa Bamba parce qu'elle était assez difficile et sa mère a également été assez difficile et elle a peur que ça soit pas terrible pour l'avenir. Donc on l'a acheté dans les prés de Patrice Lair. Bien on a pris aux deux heureux qui peuvent se dire qu'ils ont élevé l'une des plus grandes stars d'Auteuil. Elle est aujourd'hui maman pour la première fois d'une pouliche de Docteur Dino au nom qui présage de grands moments sur la butte Mortemar. La petite qui s'appelle l'héritière exactement, qui... Voilà, qui est très sympa, très bien dans sa tête, une présence juste ce qu'il faut, très bien, aucun défaut, elle marche bien, très bonne locomotion. Vous l'aurez compris, l'héritière commence parfaitement sa route sur le long chemin vers Auteuil. Pendant ce temps-là, la relève se prépare déjà puisque De Bon Cœur a rencontré son nouveau prince charmant. Cette année, en faisant plaisir à Jacques Détré en présentant De Bon Cœur à Jeux Saint-Éloi. Donc, le petit De Bon Cœur, il est là, avec un cœur qui bat. Bon, une belle vésicule embryonnaire à 33 jours. Donc là, on a un co-éleveur qui est content. Exactement. C'est les images qui font plaisir. Il y a encore du chemin à faire pour la gestation, pour l'élevage et pour se retrouver à Auteuil. Cette grande histoire d'élevage n'en est en tout cas qu'à ses débuts, car une femelle, c'est une page qui s'ouvre vers l'avenir. C'est bien d'avoir une pouliche, ça permet de se relancer, de voir les choses, de voir l'avenir encore plus loin, à long terme. C'est propre de tout éleveur, même si on est de moins en moins jeune. L'avenir va durer encore un peu, donc c'est sympa.